peu le stress. Ben, je crois que c'est normal. Ah, message. Bon, compétition. Confirmé pour demain. Demain, 8h30. Falloir y aller, hein. Bon, bah, repérage. Eh ben, allez, c'est parti. Il neige, il fait pas beau. Du coup, merci le numérique. Ça va être comment, tu penses, dessous? Ça va être dur comme hier? Demain, pour ma météo, le matin, l'ISO, il est annoncé à 2006. Donc ça va vraiment être mou dès le matin, quoi. Ouais. Par contre, si le soleil sort, deuxième run, ça risque de coller à certains endroits. Ça va prendre en compte aussi, quoi. Ouais, il y a un truc à bien prendre en considération, c'est le slough aussi. Hein. Ouais. Au final, il neige encore. Et tu vois, sur la ligne dont je te parlais tout à l'heure, style, si je viens faire ma traverse comme ça, au final, à chaque fois, le slough, il va couler dans un premier temps dans le premier couloir, deuxième couloir. Et après, moi, à aucun moment, ça me gêne sur mes cliffs, en fait. Ouais, je comprends. Parce que si ça a soufflé un peu, on peut vite se retrouver avec 20 cm de fraîche sur du dur, en fait. Ouais. Donc ça va couler, c'est sûr. Ouais. T'as vu la Eagle cette année? Tu penses qu'il y en a, ils vont y aller ou pas? Pour aller se faire la Eagle, faut être suédois pour y aller. Avec le take-off au niveau de l'arbre mort, je pense que ça passe en ski, hein, bien sûr. Par contre, le landing, il a l'air vraiment flat. Hein. Mais il y en a bien un ou deux. C'est con, il n'y a plus Abel. Il n'y a plus Abel pour venir la charger, celle-là. Je pense que la Vossel, cette année, elle fait bien. De vol, il y aura 2-3 mètres de plus que l'année dernière. Ouais. Au plus haut, c'est. Ouais, c'est sûr. Ceux qui vont aller la charger, là, c'est 2-3 mètres de vol de plus. Il va falloir être solide. Et bah, je l'ai attendu tout l'hiver, mon nom sur le maillot. Bah, il fait plaisir à voir quand même. Hein. Ça fait du bien. Ah, t'es content, là. Je cours enfin pour mon pays. Voilà. Ça fait plaisir. C'est beau, hein. Bah, y a un truc à savoir quand même, c'est que ce mec là, il a le nom de ses chats sur ses skis. Non, mais ça c'est mon truc perso, ça, il faut pas balance comme ça, oh. Eh bah, je suis fier d'avoir le nom de ses chats. Voilà. Bon, on va au sport? T'es chaud, quoi? Ouais, je fais la petite photo souvenir du maillot. Mais il est content, hein. Ouais. Hop. Et on va au sport. Là, y'a la pression là quand même. Ouais. On en parle pas. Et franchement, si ça pose comme ça toute la journée, ça commence à être cool, hein. Ça serait bien. Non mais, bonne neige, beau temps, belle neige. Beau temps, belle neige. Franchement, si on court pas demain et qu'on court jeudi, ça va être vraiment, vraiment long. Une semaine que je le supporte, j'en peux plus. Ouais. Ce dont on parlait tout à l'heure, Abel, je pense qu'il vient là. Hein. Il vient là? Franchement, elle est... A mon avis, elle est à peu près pareille, hein, cette année. La Eagle? Ouais, il y en a qui vont y aller. Hein. Il y en a qui vont aller la charger. Ouais, c'est ça. Ok. Allez. Il va pas en mettre... Franchement... Il va pas en mettre 35. On peut mieux faire, cette. Hein. Les 35, ce sera trop loin, la vidéo. Voilà, je vais bientôt avoir ça sur mes skis. Ils sont beaux, mes chats, non? Ça, c'est les autocollants que t'as commandé hier? Ouais. Pour mettre sur tes skis? Ouais. Je vais finir par plus voyager avec toi, moi. Je te le dis. Tu le sais, ça. Waouh! Ouh! Combien de paires de moufles par hiver? Une par course. Une par course. Chine. Nickel, non? J'espère qu'il y aura de la poudreuse. Hein. Première est faite. Maintenant, la deuxième. C'est un peu exceptionnel, mais c'est au cas où, s'il y a de la casse, et ben sur le premier run, j'ai monté une borne neuve. Donc là, il faut tout que je prépare. Pareil, l'écart, farté, etc. Pour être sûr d'avoir une borne en état si je casse la première au premier run. Et pas plier le deuxième run bêtement. Quoi. Over. Le nom de ses chats. Monsieur a le nom de ses chats sur les skis, quoi. Au final. Moi, ouais. See you tomorrow, hein.
Ciao.